Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce joli porte-clés en cœur. Je vais vous montrer deux exemples que j'ai faits. Cette laine, je l'avais achetée chez Action. Hop, elle se présente comme ceci. Et j'en avais acheté une moins épaisse. Donc cette laine-là, j'ai crocheté avec du 10 mm et ça avec du 6. C'est pour ça que le porte-clés est un peu plus petit en rose et un peu plus gros en bleu. Donc on va passer à l'explication. Du coup, on aura besoin de cette laine-là, d'un crochet du coup 10 mm et d'un anneau pour faire un porte-clés. Je vais vous expliquer comment on fait ça. C'est très très simple à faire. En tout cas, si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer ma vidéo du coup, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Hop. Du coup, je vais prendre ma laine, mettre ça de côté. On va commencer en faisant un cercle magique. Pour faire le cercle magique, je prends le fil, je l'enroule sur mon doigt, hop, je récupère le fil et je fais une maille en l'air. Donc là, on a fait notre cercle magique. On va faire deux mailles en l'air. Une, deux. On va faire deux brides, c'est-à-dire que je vais enrouler le fil sur le crochet. Je vais rentrer le crochet dans l'anneau, je vais récupérer le fil. J'ai trois boucles sur le crochet, je vais enrouler. Je vais passer cette boucle-là sur les deux premières boucles. Hop. Je vais enrouler encore une fois le fil et je vais passer cette boucle-là sur les deux boucles qui nous restent. On va le refaire encore une fois. Donc on a fait une bride, on va faire une deuxième. On enroule, on rentre, on récupère, on enroule. On va passer cette boucle-là sur les deux premières. On enroule, on passe cette boucle-là sur les deux qui nous restent. Là, on va enrouler le fil sur le crochet. On va récupérer le fil. On va avoir trois boucles, on va enrouler. Cette fois-ci, on va passer cette boucle-là sur les trois boucles qui sont sur mon crochet. Hop. En une seule fois. On va le répéter trois fois. Donc une, deux et trois. Voilà. On va refaire une bride ici. On va enrouler le fil sur le crochet. On va rentrer, récupérer, enrouler. On va passer cette boucle-là sur les deux premières. Hop, cette boucle-là sur les deux boucle qui nous reste sur le crochet. Et on va refaire les trois enfin je sais pas comment ça s'appelle, les fausses brides. On va en refaire trois, on va enrouler, on va rentrer, récupérer et on va passer cette boucle là sur les trois boucles qu'il y a sur mon crochet. Une, deux et trois. Et pour terminer, on va encore faire deux brides. Une et deux. Voilà, donc là on a terminé le cœur. On va faire trois mailles en l'air pour pouvoir fixer, pour faire un nœud. Une, deux, trois. Et on va faire une maille serrée à l'intérieur du cœur. Hop. Voilà. Là on va tirer sur ce fil là. Hop. Voilà. Là, on va couper ce fil-là. Hop. On va passer le fil qu'on a coupé sur la boucle, dans la boucle. On va tirer dessus. Hop. Voilà. Et là, du coup, on va cacher les fils. Je vais prendre un crochet plus petit pour pouvoir cacher les fils. Voilà. Hop.
Voilà, on va couper ici. Hop. Voilà, je vais passer l'anneau et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai passé l'anneau du porte-clés et ça nous fait un joli porte-clés. Voilà. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, laisser un petit commentaire et de vous abonner sur ma chaîne pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.